Avant de commencer, je m'excuse pour la sortie tardive de ce DVD. C'est parce que j'ai voulu bien le faire. Je peux vous poser une question ? Bon, qu'est-ce que ça fait de voir autant de monde réunis pour célébrer Kaamelott ? Ouais, c'est super agréable parce que c'est le seul moyen de voir la réaction des gens en fait, parce qu'on vient tous du théâtre, donc on a l'habitude d'une interaction avec le public, et là on voit les gens qui sont très heureux, et mine de rien à chaque fois il y a un vrai engouement. Donc. Ça fait du bien parce que la télé, je sais pas si vous êtes au courant, vous le voyez jamais votre public. Jamais, jamais. Et quand on vient du théâtre, on a l'habitude d'avoir un contact. Moi, il me reste que ça. C'est pas faux. Je n'ai pas compris la question. Ah bah c'est très agréable. C'est agréable parce que c'est un peu l'inconvénient de la télé. C'est, on aime bien les voir de temps en temps. Oui, d'accord, j'ai compris. Chouette. Les gens, ils sont adorables. Et puis c'est vrai que... Donc nous, on est ravis d'être ici. D'ailleurs, on n'en fait pas assez. Quelle est votre réplique préférée, la réplique préférée de ton personnage dans Kaamelott ? Gavage. Le gras, c'est la vie. Moi, j'ai appris à lire et je souhaite ça à personne. Eh ben, je souhaite ça à personne. Mécréant. Non, c'est je me galère ma chagate avec la neige. Vous êtes au courant que votre toiture est en train de tomber en rideau. Voilà, ça se passe. Ça continue de me faire rire. Quand on va voir le roi et on lui dit qu'on en a gros, si on en a gros, ou alors que quand je lui les règles du jeu où je lui parle de que quand il personnalise, ce qui compte c'est les valeurs, par exemple. Bon, puis il y a le c'est pas faux qui est culte. C'est pas faux. Dernière question, est-ce que c'est vous qui allez trouver le Graal ? Le Graal ? Ah ça je peux pas vous le dire. Ah bah ça je peux pas le dire. Ouais c'est moi. Je suis pas au courant encore, en tout cas, si c'est moi, on me l'a pas dit, donc... Il serait content pour le roi, parce que lui, ce qu'il veut, Perceval, ce qui compte pour lui, c'est Arthur. Donc, pour Arthur, il serait prêt à faire n'importe quoi. Moi, le Graal, c'est pas du tout un problème. Moi, ce qui est important pour Céline, c'est que ça tourne dans la baraque. C'est moi. Ok. Quel est le plus grand compliment qu'un fan vous ait fait ? Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie ? De me dire que la 5, c'est la meilleure. Parce que c'est la plus sombre, c'est la plus risquée. Donc quand un mec vient me dire j'aime tout, mais ça surtout c'est classe, ça veut dire que j'ai réussi le pari de montrer que Kaamelott pouvait être autre chose qu'une pastille.